puis nous allons nous assurer que tout le monde soit présenté parce que c'est une journée spéciale. Laissez donc le temps de la période de questions, le député de Nipissing. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Don Drummond a mentionné plusieurs réformes qui seront importantes pour l'histoire de la province. Don Drummond a demandé une diminution importante des contraintes économiques. Il veut que le gouvernement agisse rapidement afin de prendre des décisions difficiles. Il dit que ce sera difficile et que le fardeau doit incomber au gouvernement. Il s'inquiète du chemin que le gouvernement prend présentement. Donc, est-ce que vous vous rappelez de ces paroles, Madame la Première ministre? Est-ce que vous pouvez parler d'une action importante, rapide, que vous avez prise afin d'équilibrer le budget d'ici 2017-2018? La Première ministre. Merci, Monsieur le Président. Je sais que le député de l'autre côté sait que nous avons mis en place près de 60 % des recommandations de Don Drummond. Et ça signifie que nos taux annuels de moins d'un pour cent en compression sur les programmes est mis en place. Donc, nous avons pris des mesures très importantes afin de s'assurer que nous puissions ramener les finances sous contrôle. Et je suggère que s'ils essaient d'avoir des améliorations dramatiques, ils devaient simplement regarder les compensations qui ont été faites avec le secteur public et parapublic. C'est pourquoi nous réussissons encore mieux que nos objectifs de réduction du déficit. Ce que nous ne ferons pas, c'est d'annuler la maternelle à plein temps, renvoyer 10 000 travailleurs de l'éducation. C'est quelque chose que nous ne ferons pas. Complémentaire. Eh bien, je vais laisser les 40 infirmières de North Bay que vous venez de renvoyer. Écoutez vos commentaires. Nous avons un déficit massif par votre faute. Vous devez donc diminuer les dépenses. La Banque du Canada nous a dit que cette année et l'an prochain ne verront pas la croissance que vous avez planifiée. Et donc, à moins d'avoir planifié une autre augmentation d'impôts secrètes, vous n'irez pas de l'avant, ce qui nous amène à la diminution des dépenses. Je vais vous donner une autre citation de Drummond. Il a dit que le gouvernement doit agir de façon drastique sur le plan financier. Et ça fait 20 mois qu'il a dit ça. Nous n'avons vu absolument aucune des actions importantes qui ont été demandées par Don Drummond. Et donc, est-ce que vous pouvez me donner une seule action importante de réduction des dépenses que vous avez faites afin d'équilibrer le budget d'ici 2017-2018? La Première ministre. C'est très intéressant. Mes collègues parlent du changement, que ce soit pour la physiothérapie, la transformation du système de santé. Et le député de l'autre côté ne comprend pas que lorsque vous transformez un système, il y a des changements qui sont difficiles. Et donc, par exemple, de sortir les services des hôpitaux et de les implémenter, de les mettre en place plutôt dans les collectivités, c'est quelque chose de difficile. Donc, il faudra que le député décide s'il veut appuyer la transformation ou s'il préfère le statu quo. Parce que lorsqu'on parle de ne pas créer de dérangement, ça n'amènera pas de transformation. Et donc, si on ne fait pas ça, nous ne pourrons pas avoir un système de santé durable ou gouvernement durable lors des prochains mois. Nous avons mis en place, encore une fois, 60 % des recommandations de Don Drummond, mais nous n'allons pas renvoyer 10 000 employés du système éducatif, ce qu'il suggère. Complémentaire final. Vous avez de la difficulté, Madame la Première ministre. Vous avez déjà manqué vos objectifs de croissance économique. C'est quelque chose que nous avons vu en 2011. Les revenus ont diminué de 500 millions de dollars. Et vous vous êtes arrangé pour faire en sorte qu'on ne voit pas une augmentation de déficit. Est-ce que vous allez encore une fois essayer de cacher les faits et de diminuer afin qu'on ne voit pas que le déficit augmente? La Première ministre.
Nous avons mis en place, encore une fois, comme je l'ai mentionné, les recommandations de Don Drummond. Ma recommandation, c'est qu'il appuie nos mesures, mais l'opposition a décidé de ne pas le faire. Nous avons mis en place ces recommandations tout en créant de l'emploi. Et donc, il y a une différence entre notre approche et la leur. Ils ne défendent pas les services. Ils veulent faire des compressions dans les services. C'est ce qu'ils défendent. Et c'est ce que les conservateurs feront à l'avenir. Ils vont faire des compressions dans les services. Ils vont faire des compressions dans les emplois des gens qui fournissent ces services. Et c'est quelque chose que nous ne ferons pas. Nous voulons conserver ces services et nous assurer de conserver les services qui sont excellents, dont la population a besoin, tout en diminuant nos dépenses. Voilà ce que nous allons faire. Le député de Nipissing, nouvelle question. Encore une fois, je voudrais rappeler aux 40 infirmières de North Bay votre déclaration. La semaine dernière, vous avez parlé des bons verts que vous voulez utiliser qui augmenteront notre dette. Vous avez déjà ajouté 20 milliards de dollars à notre dette cette année seulement. Et lorsque vous avez pris le pouvoir, vous avez augmenté la dette. La dette plutôt était de 139 millions de dollars. Lors des 10 dernières années, vous avez augmenté 273 milliards de dollars. Donc, plutôt que de faire des dépenses incroyables, vous avez décidé d'ajouter de la dette. Et donc, ma question est très simple. Combien de dettes est-ce que vous voulez ajouter à ce chiffre incroyable? Intervention du président, excusez-vous. Merci, la Première ministre. Merci, Monsieur le Président. Il y a une grande différence entre la manière dont le parti de l'autre côté s'attaque aux services et la manière dont on fonctionne. C'est la réalité. Nous avons dit que nous croyons que la population de l'Ontario doit avoir les services qui sont fournis par notre système d'éducation, de soins de santé, les services sociaux qui aident les gens et leur permettent de trouver un emploi, l'infrastructure qui est nécessaire afin que les collectivités puissent attirer des entreprises à leur circonscription afin qu'ils puissent fleurir. Nous croyons dans ces investissements et nous appuyons un environnement d'affaires dynamique pour l'Ontario. C'est ce que la population veut de nous et ils ne s'attendent pas à ce qu'à travers la province, nous fassions des compressions et que ce soit les gens à North Bay ou à travers la province, ils ne peuvent s'attendre à ce que le gouvernement fasse ce genre de choses. Complémentaire. Ces fausses réponses ne sont pas vraiment pleines de confiance pour la communauté d'affaires. Vous êtes incapable de répondre même à la question la plus simple aujourd'hui. Vos prévisions montrent des revenus qui augmentent et pourtant la Banque du Canada a dit que les augmentations ne seront pas à la hauteur de vos attentes. On voit de grandes dépenses et vous avez augmenté les salaires de 8 contrats que vous avez négociés. Ça ne fonctionne pas. Et donc, une fois seulement, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous allez équilibrer le budget alors que vous échouez terriblement des deux côtés de la formule? C'est une question très simple, Madame la Première ministre. La Première ministre, merci. Eh bien, notre déficit continue de diminuer. C'est la quatrième année de suite que notre déficit diminue et que l'on atteint nos objectifs et encore plus. Donc, je ne sais pas exactement ce que le député de l'autre côté veut dire lorsqu'il dit qu'on ne respecte pas nos objectifs. Nous les respectons, nous réussissons encore mieux. Et c'est quelque chose qui continue et qui fonctionne. En même temps, on croit qu'afin que l'économie réussisse bien, nous devons faire les investissements nécessaires afin d'appuyer les gens, incluant, Monsieur le Président, la stratégie d'emploi chez les jeunes qui déjà a fait en sorte que 2400 jeunes ont trouvé un emploi. Et c'est le genre d'investissement que nous voulons faire afin que la province réussisse bien. Nous allons continuer à faire ces investissements. Le député de l'autre côté fait partie d'un parti qui ne croit pas à l'investissement, incluant l'investissement dans l'infrastructure et le transport en commun. Ils feront des compressions de ce côté. Question complémentaire finale. Alors, je suis tout à fait troublée par ce manque de réponse aujourd'hui, surtout
alors même que ce parti vient d'ajouter 20 milliards de dollars à notre dette pour cette année seulement. Alors nous voyons beaucoup de questions auxquelles on n'apporte aucune réponse. Vous ne pouvez pas dire au marché combien de dettes vous aurez cette année. Vous n'avez pas mis en place les réforme tout à fait cruciale en matière de dépenses que M. Drummond avait recommandé, j'en passe les meilleurs. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans votre plan ou dans vos chiffres? Alors, pour la sixième fois, je vous demande, comment est-ce que vous comptez équilibrer les comptes d'ici 2017-2018? Ou est-ce que vous allez encore inventer quelque chose? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci. La Première ministre. Merci, M. le Président. Alors, je sais que le député d'en face a hâte qu'on lui présente l'énoncé économique d'automne ce jeudi, mais comme il l'a dit, faisons le point. Alors, nous avons un plan pour les emplois et pour la croissance économique. Notre déficit diminue continuellement. C'est la quatrième année que nous surpassons nos objectifs en la matière. Nous sommes le seul gouvernement du Canada qui réussit à faire cela. L'année dernière, nous avons réussi à surpasser de 5 milliards de dollars nos objectifs, Monsieur le Président, et nous avons mis en place 60% des mesures préconisées par Monsieur Drummond. Et c'est pourquoi nos dépenses ont été réduites, Monsieur le Président. Et c'est pourquoi nous avons réussi à surpasser nos objectifs. Et nous allons continuer sur cette voie, Monsieur le Président. Nous allons continuer à être prudents et à effectuer ces investissements, surtout ceux qui sont nécessaires pour la croissance de notre économie. Merci. Arrêtez l'horloge. Reprenez vos sièges, s'il vous plaît. Reprenez vos sièges, s'il vous plaît. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Comme elle le sait, de nombreux Ontariens ne savent pas comment joindre les deux bouts lorsqu'ils partent à la retraite. C'est un problème qui existe depuis déjà très longtemps. Il y a 3 ans, j'ai présenté une motion devant cette Chambre pour en appeler au gouvernement à prendre des mesures pour améliorer cette situation. Et malheureusement, beaucoup de députés ont voté contre ma motion. Alors, est-ce que la Première ministre peut nous dire ce qu'elle compte faire en la matière? Merci. Merci. Monsieur le Président, eh bien, il y a 3 ans, de notre côté de la Chambre, nous étions en faveur de la réforme du régime de pension du Canada et nous n'avons pas changé notre position. Cela fait longtemps que nous présentons ces arguments et nous continuons à le faire. Et j'ai dit que s'il n'y avait pas de réforme sur le régime des pensions du Canada, s'il n'y avait pas de consensus national dans ce sens, eh bien, on développerait un plan ontarien. Mais notre premier choix serait que le gouvernement fédéral assume ses responsabilités en la matière et travaille avec les provinces pour que l'on puisse s'assurer que les Canadiens sachent quelle sera leur retraite lorsqu'ils partiront à la retraite. Merci. Question complémentaire. Je pense que les gens deviennent de plus en plus cyniques compte tenu de vos promesses qui ne sont jamais suivies par les faits. Cela fait des années qu'on en attend que cela soit fait. Et donc, ces dernières années, on a parlé d'une solution venant du secteur privé, du gouvernement fédéral ou de l'Ontario. Mais à chaque fois qu'on nous parle de ces solutions, il n'y a pas de détails précis. Alors, est-ce que la Première ministre peut nous dire combien est-ce que les gens doivent économiser et quel serait ce genre de plan dans les détails, ou si elle souhaiterait impliquer le secteur privé? Merci. Tout d'abord, j'aimerais vraiment féliciter les ministres des Finances de tout notre pays et surtout Charles Souza, qui est notre ministre des Finances ici en Ontario. Et il faut vraiment en parler au gouvernement fédéral. Et cette chef du troisième parti, eh bien, n'a pas soulevé la question depuis un certain temps déjà dans nos réunions. Et cela fait très, très longtemps que je me préoccupe de cette question. Depuis que je suis en fonction, je m'en préoccupe. J'en ai parlé lors du conseil de la fédération Niagara on the Lake. Et nous sommes en faveur de cela et nous défendons ce plan depuis très longtemps déjà et nous allons continuer à le faire. Notre ministre des Finances a rencontré d'autres ministres des Finances et a parlé de cette question. Merci. Question complémentaire finale. Eh bien, le
Les gens deviennent de plus en plus cyniques lorsqu'ils voient ce gouvernement qui a de plus en plus de panels d'experts, de conversations et qui se cramponne sans cesse au pouvoir, alors que tout ceci ne donne aucun résultat pour les Ontariens. On n'a pas besoin de promesses vides, on n'a pas besoin de conversations sans fin du côté des libéraux. Mais quand est-ce que les choses vont vraiment changer pour les Ontariens? Eh bien, Monsieur le Président, je ne sais pas exactement comment la chef du troisième parti pense que nous allons arriver à un consensus sur le régime de pension du Canada dans tout le pays si on ne discute pas avec nos homologues de tout le pays. Eh bien, nous sommes en cours de discussion à ce sujet-là. Nous sommes déjà arrivés à atteindre certains de nos objectifs. Le ministre des Finances est rendu à une telle réunion la semaine dernière. Et je pense que nous faisons des progrès. Nous avons toujours défendu ce plan et nous souhaiterions en priorité que ce soit le gouvernement fédéral qui se consacre à la question et qu'on ait un régime de pension du Canada amélioré dans tout le Canada. Et vraiment, j'aimerais travailler avec la chef du troisième parti et également avec son homologue fédéral pour justement arriver à faire des progrès en la matière. Merci. Nouvelle question. Ma nouvelle question s'adresse à la première ministre. Pour les gens qui ont des problèmes et des difficultés, eh bien, le gouvernement fédéral parle beaucoup mais ne prend pas vraiment de mesures et de nombreux conducteurs sont préoccupés par le fait que le gouvernement ne tienne pas ses promesses en matière de baisse de leurs tarifs d'assurance. Alors, une commettante m'a écrit et m'a dit que ses taux d'assurance avaient au contraire augmenté de 20%. Donc, si le gouvernement dit que ses tarifs baissent, pourquoi est-ce que les gens constatent des augmentations et des frais supplémentaires sur leurs factures? Merci. Nous ne sommes pas revenus en arrière sur nos promesses. Contrairement à ce que prétend la chef du troisième parti, nous avons travaillé avec les parties prenantes du secteur et nous savons qu'il y a de la fraude dans ce secteur et nous savons que les recommandations du groupe de travail sur la fraude en matière d'assurance automobile doivent être mises en œuvre et ce n'est pas un changement que l'on peut effectuer du jour au lendemain. Nous avions donc un objectif de 8% de réduction pour la première année et nous sommes en train de travailler pour l'atteindre et je pense que cela aiderait si la chef du troisième parti comprenez que c'est une mesure qui doit avoir lieu dans toute la province et que c'est au secteur également d'appliquer ces mesures et qu'ensuite on verra des changements se produire. Merci. Question complémentaire finale. Eh bien, de nombreux Ontariens se demandent si ces changements s'appliqueront à eux et ils se demandent si les promesses seront tenues. Donc, Robert de London m'a écrit en me disant qu'en septembre de cette année, ses tarifs d'assurance automobile avaient augmenté de 16 à 17%. Et s'il y a une réduction de 15%, eh bien, cela n'aura aucun effet sur moi parce qu'il y a déjà eu une augmentation avant cela. Donc, est-ce que la Première ministre peut nous dire si elle va tenir ses promesses? Est-ce qu'elle peut nous dire quand est-ce que ces tarifs d'assurance automobile commenceront à diminuer? La Première ministre, bon, je sais que la chef du troisième parti comprend qu'il s'agit d'une initiative globale et que c'est une initiative générale et que nous parlons d'une réduction de 15% générale. Donc il faut que les gens comprennent bien comment cela se passe parce que je pense que le fait de sursimplifier cette question eh bien, n'aide pas les Ontariens. Et le rapport de la Commission des services financiers de l'Ontario a indiqué qu'il y avait déjà eu une réduction de 7% lors du troisième semestre de 2013. Mais comme je le dis, ce genre de changement demande du temps et les implications pour les conducteurs doivent être claires. Nous sommes en train d'y travailler et nous allons procéder à une telle réduction généralisée. Merci. Question complémentaire. Eh bien, je peux vous dire, Madame la Première ministre, que le fait de parler d'un problème et de ne jamais le résoudre, eh bien, cela ne fait rien pour les Ontariens. Peter de Mississauga m'a écrit pour me dire qu'en août, il s'est rendu compte que ses tarifs d'assurance avaient augmenté de 15% et n'avaient pas diminué de 15%. Et c'est un bon conducteur qui n'a jamais eu d'accident ni d'amende. Donc, vraiment, on a entendu de nombreuses excuses de la part de ce gouvernement libéral. Quand est-ce qu'il y aura des résultats pour les Ontariens, enfin?
Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit, selon le rapport de la Commission des services financiers de l'Ontario, eh bien, les tarifs d'assurance auto ont baissé de 0,7% lors du troisième trimestre de 2013. Il y a donc un groupe de travail qui parle en ce moment de l'obtention des permis et d'autres questions importantes, et nous sommes en train de travailler à cette question. Donc nous allons supprimer les causes de ces augmentations du système. Et c'est pourquoi nous avons un objectif de 8% de réduction pour la première année, Monsieur le Président, et c'est pourquoi j'ai hâte de commencer à travailler avec la chef du troisième parti. Les gens veulent qu'il y ait des réductions. Il y aura des réductions moyennes. Et donc, ce seront des réductions généralisées dans tout le système. Merci. Nouvelle question, le député de Halton. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Madame la ministre, il y a 5 jours, vous avez parlé de Kim Fletcher, qui est une mère de 2 enfants qui a un cancer du cerveau. Et vous avez promis donc d'examiner les raisons pour lesquelles le régime d'assurance maladie de l'Ontario ne couvre pas le médicament off-stand, dont elle a Avastine, pardon, dont elle a désespérément besoin. Et je vous demande, au nom de Kim, si vous avez examiné son dossier, car cela fait très longtemps que l'on attend déjà. Merci, la ministre des Soins de santé et des Soins de longue durée. Je peux confirmer que le comité d'examen des médicaments a déjà par 2 fois en 2013 examiné ce cas, et il n'y a malheureusement pas de nouvelles preuves dans ce domaine. Donc je pense que c'est vraiment important de souligner que nous avons un protocole qui empêche les interventions de la sphère politique dans le remboursement de certains médicaments. Donc, j'aimerais dire que Santé Canada, c'est vraiment dommage que les gens commencent à chahuter, car il s'agit vraiment d'un cas tout à fait grave. Donc, Avastine n'est donc acceptée que de manière conditionnelle par Santé Canada, parce qu'il n'y a pas de données probantes qui prouvent son efficacité pour donc le traitement ou la survie des patients qui sont atteints de cancer du cerveau. Merci. L'Ontario est la seule province où un tel système existe. C'est un médicament qui est accepté en Colombie-Britannique, en Alberta et au Manitoba pour le traitement de ce cancer. Et malheureusement, Kim continue de souffrir et sa famille continue d'être tout à fait désemparée et impuissante. Et c'est un gouvernement qui est prêt à donc dépenser $1 milliard pour sa propre survie et qui est prêt à intervenir donc pour conserver le pouvoir, mais qui refuse d'intervenir en faveur de Kim pour qu'elle puisse survivre. Donc je vais parler à Kim cet après-midi pour lui donner des mises à jour sur son dossier. Alors dites-moi ce que je peux lui dire concernant ses efforts. Vos efforts, pardon, en la matière, sur son dossier et ce que vous pouvez faire pour elle. Dites-moi ce que je vais lui dire cet après-midi. Alors, Monsieur le Président, comme je l'ai dit, nous avons supprimé les influences politiques de la détermination du niveau de remboursement de certains médicaments pour certains troubles. Je ne peux pas m'immiscer dans la décision d'un panel d'experts en la matière et du comité d'examen des médicaments, et c'est un processus transparent. Les gens peuvent se rendre en ligne pour consulter les décisions du comité d'examen des médicaments. C'est en ligne, c'est disponible au public, et on peut vraiment consulter ces décisions en ligne. Donc j'aimerais vraiment demander aux députés de se rendre en ligne et de consulter ces données, de consulter ces décisions. Je sais que cela ne correspond pas à ses attentes, mais je pense qu'il nous faut, nous, en tant que politiciens, compter sur les décisions d'experts en la matière, surtout lorsqu'il s'agit de médicaments. Merci. Nouvelle question, le député de Windsor-Tecumseh. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports et de l'Infrastructure. Vendredi dernier, vous avez dit que vous en aviez assez et qu'il fallait vraiment retirer les poutres
dangereuse de la route de plaisance Herb Gray. Donc c'était la bonne décision à prendre, je vous en félicite. Mais malheureusement, les normes et les règles ont été ignorées en la matière et il n'y avait aucune supervision et aucun contrôle de la qualité par ce gouvernement. Est-ce que le gouvernement peut assurer le public ontarien aujourd'hui que le dépassement des coûts ne mèneront pas à ce que ce soit les Ontariens qui payent la facture à cause de cette mauvaise gestion? Merci beaucoup et bonjour au député de Windsor-Tecumseh. Je le remercie de sa civilité. Ce n'est pas du tout un désastre, comme l'a impliqué le député. Je pense que toutes les poutres vont être retirées à la suite de tests indépendants qui ont été effectués. Ceci ne va rien coûter aux contribuables, rien du tout. Et je sais que à l'ordre, le député de Bruce Gray-Owen Sound, à l'ordre, s'il vous plaît. C'est peut-être drôle, mais allez rire plus loin, en dehors de cette chambre. Merci. Donc, le fait est que le gouvernement a conçu le contrat de manière à ce qu'il soit responsable de tous les risques. Et si on annule un projet, eh bien, il faut le faire de manière précoce. Et s'il y a un projet qui ne marche pas, eh bien, il nous faut nous comporter en chien de garde et prendre les mesures qui s'imposent. C'est un gouvernement qui tire des enseignements de ses erreurs. Et nous allons donc avoir un projet pour les routes locales qui se conformera aux normes en la matière. Merci. Question complémentaire. Oui, le ministre peut parler de chiens de garde agressifs, mais la réalité, c'est que c'est un dénonciateur qui a attiré notre attention sur ce fiasco. C'est le public qui nous a alertés sur ce problème. Et ce qui est vraiment inquiétant, c'est que ce système de supervision est le même que dans le cas de la route de plaisance de Herb Gray. Et est-ce que le ministre va avouer que le fait d'impartir des projets de construction d'infrastructures à des sociétés étrangères n'est pas une bonne solution? Et également que ce n'est pas aux Ontariens de payer la facture parce que le gouvernement n'a pas assuré la supervision nécessaire. Merci. Monsieur le Président, lorsque ceci s'est passé, il n'y a pas eu de tollé de la part du public. Au contraire, la députée de Windsor-West, la ministre des Services communautaires, est celle qui est venue me voir et qui m'a parlé des préoccupations qui avaient été soulevées auprès d'elle. Et j'ai ensuite eu des rencontres avec les parties prenantes de la région de Windsor. Ce qui est surprenant, c'est qu'aucun des partis de l'opposition n'a soulevé la question ces 18 derniers mois. Donc si c'était un problème si grave, comment se fait-il que les députés qui ont des sièges dans ces circonscriptions n'ont pas parlé de cette question? Je suis heureux que le député de Windsor-Tecumseh en parle, parce que ce n'est que depuis son élection que l'on parle de cette question. Donc, depuis que nous sommes au courant de ce problème, nous avons pris des mesures proactives pour régler le problème et nous avons également défendu la construction du pont président. C'est l'une des meilleures choses qui pouvaient arriver. Merci. Nouvelle question, la députée de York Sud-Weston. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires municipales et du logement. La première coopérative de logement à Toronto a été établie dans ma circonscription de York, Sud-Weston. C'était une résidence qui s'appelait Beach Hall. Il s'agissait d'un projet innovant à l'époque et c'est une résidence qui a réussi à empêcher que ce complexe d'habitation soit transformé en tour. Et donc, ils ont gagné leur bataille contre les promoteurs. Et depuis, de nombreux foyers ont été construits dans ma circonscription. Ce sont des foyers tout à fait importants pour le logement abordable. Et ils sont tout à fait importants pour de nombreuses personnes. Mais pendant des années, les coopératives ont été soumises à de nombreux obstacles en matière de résolution des différends.
Alors, le gouvernement a réduit les coûts de ce processus dans toute la province. Est-ce que la ministre peut nous expliquer quels ont été les changements qui ont été effectués? La ministre des Affaires municipales et du Logement. Je vais remercier ma collègue de sa question et de la défense de résidents de Beach Hall et résidents des coopératives de logement en Ontario. Nous pensons que les coopératives jouent un rôle très important. C'est pourquoi on a rationalisé le processus de résolution des différends. Comme vous vous souvenez, les changements au projet de loi 14 à aider des propriétés à travers la province de Beach Hall, à une coopérative à Niagara Falls. Ils peuvent pas, sont plus obligés de passer par un processus de 6 mois qui peut coûter jusqu'à 5 000 $, empêchant les coopératives d'avoir des réparations nécessaires. Et on donne les mêmes protections qui étaient données aux propriétaires et aux locataires, comme la médiation. Notre gouvernement va continuer à investir dans le logement pour qu'on puisse continuer à construire des logements. Merci. Question complémentaire? Je veux remercier la ministre de sa réponse. Cependant, Monsieur le Président, Beach Hall et d'autres coopératives sont en crise en ce moment. Dans le cas de Beach Hall, la crise, une crise qu'ils n'ont pas vue depuis les années 70, quand l'arrondissement de York avait décidé de placer ce complexe, de remplacer ce complexe par une nouvelle construction. Le gouvernement fédéral a donné de l'aide aux coopératives et aux fournisseurs depuis les années 70 et 80. Malheureusement, les contrats arrivent à échéance et notre gouvernement s'est engagé cependant à donner 3 milliards de dollars pour le financement du logement abordable. Mais les collectivités ont besoin du financement prévisible des 3 paliers du gouvernement. Est-ce que la ministre peut nous dire ce que le gouvernement fait pour qu'on soit puisse avoir un partenaire stable du fédéral pour avoir le financement nécessaire pour les coopératives? Merci. Réponse de la ministre. Je remercie la députée de sa question. L'investissement dans le logement abordable donne des dividendes, en fin de compte, et ça crée des emplois. On donne beaucoup de logements pour beaucoup d'Ontariens, en particulier les plus vulnérables. Mais la protection des responsabilités des sociétés prend les 3 paliers du gouvernement pour que ça fonctionne. Il faut travailler en coopération. Et il y a quelques mois, j'ai entendu ce que le gouvernement disait dans son discours du trône, il y a 2 ou 3 semaines, et le gouvernement fédéral a annoncé son intention de travailler sur une stratégie renouvelée pour les sans-abri. Et j'étais très content, mais il faut voir, parce que le financement est censé disparaître sur les 20 ans. C'est pourquoi je demande à nos partenaires fédéraux de revenir à la table pour assurer que l'Ontario et toutes les provinces puissent avoir assez d'argent pour investir dans le logement nécessaire aux Canadiens. Merci. Nouvelle question, le député d'Oxford. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Madame la Première ministre, parce que vous êtes dans un gâchis fiscal, vous avez dit qu'il faut avoir un plafond au programme de gestion de risque, un programme qui est très important pour nos fermiers, nos producteurs agricoles. Et ils voient le résultat négatif. Comment vous expliquez qu'il n'y a plus d'argent, mais vous avez trouvé assez d'argent pour augmenter les salaires et les avantages sociaux au ministère ontarien de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales? Réponse de la Première ministre. J'ai travaillé avec représentants du secteur agricole, des fermiers, et nous avons fait beaucoup de percées dans le programme de gestion des risques. Et je regarderai au programme, par exemple, des producteurs de viande de bœuf que mon prédécesseur a fait. On veut avoir de la sécurité dans le système, et les producteurs sont très contents. Et je sais que le député d'en face le sait. C'est la table ouverte aux affaires. Ils sont très contents qu'on a changé les règlements, des changements qu'on a mis en place pour laisser les entreprises agroalimentaires à avoir beaucoup de succès. C'était tout un succès, ce programme.
et on a ouvert le processus réglementaire pour que les producteurs puissent avoir des activités florissantes. Question complémentaire. Madame la Première ministre, il faut que les finances soient sur le rail pour qu'on puisse payer des services nécessaires aux Ontariens comme les soins de santé, l'éducation et les programmes d'assurance pour nos agriculteurs. Ce que le ministre des Finances dit, on ne peut pas gérer les déficits sans traiter la ligne la plus importante de notre budget, c'est les rémunérations dans le secteur public. Vous avez dit que vous avez un gel des salaires, mais vous avez augmenté de plus de 3,6 millions de dollars. Un gel de salaire, ce n'est pas une augmentation de 4 % pour moi. Est-ce que vous allez avoir un vrai gel des salaires ou c'est bien que les agriculteurs continuent à souffrir vu la mauvaise gestion de votre gouvernement? Réponse, je ne suis pas très sûr où le député d'en face est très concerné du bien-être des agriculteurs de la province ou s'il veut juste critiquer notre politique. On a travaillé avec le secteur. L'Ontario et le Québec sont les deux provinces qui ont établi des programmes provinciaux pour faire des suppléments à ce qui est disponible aux fermiers du programme fédéral de gestion des risques. On a travaillé en établissant des programmes qui aident ce qu'ils reçoivent du fédéral et on le fait en collaboration avec le secteur. Donc j'espère que le député d'en face va s'asseoir avec nous et s'il aimerait voir tous les programmes qu'on a négociés et qu'on collabore avec le programme, je suis très prête à lui donner les renseignements. Le 20 février, j'ai rencontré certains chefs de file du secteur et je les ai entendus qu'ils se donnaient beaucoup d'appui au processus qu'on mettait en place. Et j'ai hâte de travailler avec le député d'en face. Merci. Nouvelle question, le député de Mountain-Est, Stony Creek. Merci. Ma question s'adresse au ministre responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015. Monsieur le Président, la portée des responsabilités de sécurité pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains et le ministre refuse de répondre aux questions de base et il démontre soit un manque de connaissances ou une culture de secret. Est-ce que le ministre est prêt à donner à tous les députés les documents ou au moins une ventilation des coûts? Comment les gens ont décidé, comment est-ce qu'on fait la sécurité pendant, avant, pendant et après les Jeux panaméricains et parapanaméricains TO 2015? Réponse du ministre. Je suis très content de répondre à la question. Les Jeux panaméricains sont vraiment une opération très importante pour la province. En 2015, 41 pays seront en compétition ici en Ontario. Et cela touche aussi beaucoup de municipalités, 14 en total. Et nous sommes engagés à s'assurer que les gens qui viennent ici soient en sécurité, aussi bien que nos concitoyens. La sécurité des lieux et des installations, c'est un élément très important de la planification des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015. Nous avons pris des mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Merci. Question complémentaire. Je ne suis pas très sûr si j'ai reçu une réponse, mais les députés de l'Ontario, on veut s'assurer que nos concitoyens, que les problèmes qui ont lieu pendant le G20 ne se répètent pas. Nous voulons savoir que les forces de l'ordre qui travaillent et qui mènent le processus, comment on va traiter des problèmes de sécurité pour qu'on puisse traiter de façon appropriée les citoyens, les participants aux Jeux panaméricains et le personnel des forces de l'ordre. Est-ce que ce ministre va partager les renseignements de basse sécurité pour que la transparence soit maintenue et on évite des problèmes? Réponse du ministre. Merci de la question. La sécurité des Jeux panaméricains et parapanaméricains qui commencent en octobre 2015 est très importante. Le processus mené par l'unité des services intégrés sur la gestion de la police provinciale de l'Ontario, le ISU, est inclut une équipe d'experts de chaque municipalité où il y a des compétitions.
Cette unité des services spéciaux travaille avec le coordinateur fédéral pour assurer la sécurité des Jeux. Cette unité de sécurité et les organisateurs du jeu panaméricain continuent afin de limiter les risques. Merci. Nouvelle question, la députée d'Oak Ridges Markham. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Recherche et de l'Innovation. L'Ontario est reconnu par ses institutions de recherche et ses universités et collèges et leur capacité de coopérer avec l'industrie afin de pouvoir être en concurrence à l'échelle internationale. Il faut créer des emplois pour les Ontariens et pour traduire la recherche ontarienne dans la commercialisation, les entreprises doivent avoir accès aux connaissances disponibles dans les institutions de recherche de l'Ontario. Et je demande, Monsieur le Président, au ministre de la Recherche et de l'Innovation, quelles mesures ont été prises par le gouvernement ontarien pour assurer qu'il y ait cette collaboration-là? Le ministre de la Recherche et de l'Innovation répond. Monsieur le Président, je veux remercier la députée d'Oak Ridges Markham de cette question. Et notre gouvernement reconnaît l'importance des relations fortes entre nos institutions universitaires et collégiales et l'industrie. Et c'est pourquoi notre gouvernement a créé ce programme de collaboration. On donne des crédits aux PME pour des services et des ressources des universités, collèges et hôpitaux de recherche. Et la semaine dernière, j'ai annoncé une nouvelle initiative entre les Centres d'excellence de l'Ontario et le Consortium québécois de découverte en médicaments. Et donc, on va avoir une participation entre des institutions québécoises et ontariennes pour la recherche. Et ça va mener à de l'innovation. Nous sommes très fiers de cette collaboration et de la mobilisation des connaissances. Question complémentaire. Merci. Je suis très content de voir les initiatives dans lesquelles notre gouvernement s'engage pour avoir une collaboration entre des entreprises novatrices, l'industrie et des institutions académiques. Dans la région York, le Centre d'innovation régionale a un rôle très important à jouer. La collaboration à l'échelle internationale, c'est un élément très important afin qu'on puisse avancer les recherches en travaillant avec des chefs de file d'ailleurs. Même si nous avons un domaine très fort au Canada, et c'est un des plus forts en Amérique du Nord, ici en Ontario, il faut continuer à travailler pour avoir plus d'investissements. Monsieur le Président, je demande au ministre de la Recherche et de l'Innovation qu'il puisse nous dire ce que nos partenariats internationaux et collaborations sont en œuvre par notre gouvernement pour veiller à la recherche. Je remercie la députée de sa question. Notre gouvernement comprend l'importance de la coopération internationale et il bâtit des ponts avec nos partenaires afin que l'Ontario reste concurrentiel. Et nous avons en Ontario plusieurs protocoles d'entente qui ciblent la promotion de la recherche et l'innovation. Et nous avons de fortes collaborations avec des pays en développement à travers le monde. Il inclut l'Inde, la Chine, Israël et Singapour, entre autres. Il y a des accords internationaux qui aident nos institutions de recherche à collaborer avec leurs scientifiques et d'autres pays. Notre gouvernement renforce les partenariats pour trouver des solutions qui répondent à des intérêts communs. Merci. Nouvelle question, le député de Lambton-Kent Middlesex. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre ce matin. La semaine dernière, je vous ai parlé d'adopter le projet de loi 69, loi sur le paiement prompt. Et ce matin, je vais parler d'une autre chose et ce que la plupart des résidents en Ontario veulent, la transparence et la redevabilité. Et la semaine dernière, dans la commission Charbonneau, on a appris que des frais de syndicats étaient
été utilisé pour rebâtir un club de motards et des demandes de plus de 4 000 $ pour des dépenses étaient utilisées à de mauvaises fins. Madame la Première ministre, qu'est-ce que vous faites pour assurer que les primes de syndicats sont utilisées à de bonnes fins? Le ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Et j'apprécie la question du député d'en face. Il parle des faits qui sont discutés au Québec et ailleurs. Et il n'a pas de preuves de telles activités dans notre province, mais je pense ce qui est caché derrière la question du député d'en face, ce qu'il a proposé, c'est l'attaque constante de nos syndicats, du syndicat de notre province et les efforts de dire que tous les gens en Ontario gagnent moins et qu'on baisse les salaires plutôt que d'assurer qu'on essaie de faire mieux et que tous les gens travaillent ensemble pour, avec de bons salaires et qu'on veille à la santé et sécurité des travailleurs syndiqués et non syndiqués. Merci. Question complémentaire? Je reviens à la Première ministre. Ici, en Ontario, on a vu notre part des problèmes dans les syndicats, des syndicats du secteur public qui ont utilisé de l'argent pour avoir des campagnes contre les bouteilles d'eau, financer des démonstrations d'étudiants au Québec et des campagnes anti-Israël et pour financer des manifestants au G20 ici à Toronto. Cela explique pourquoi ils ont lutté contre la loi sur la divulgation. Dans un sondage par Léger Marketing, les chefs des syndicats, 83% des Canadiens sont d'accord que les syndicats devraient divulguer des renseignements sur une base régulière. Vous savez que vous prenez vos conseils des syndicats, chefs des syndicats comme Pat Dillon et sa coalition des familles qui travaillent. Est-ce que vous êtes prêt à avancer, à forcer les syndicats à être ouverts pour expliquer comment ils utilisent les déductions, les frais de syndicats des travailleurs? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Arrêtez. Intervention du président. Veuillez vous arrêter, s'il vous plaît. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Et j'ai des problèmes à croire qu'en 2013, il y a une telle question du parti de l'opposition. De ce côté de la Chambre, on rejette toute notion de loi de droit à travailler avec, pour un salaire plus faible. Je sais que l'opposition officielle pense que le contraire, mais nous pensons que les syndicats ont un rôle très important à jouer dans l'économie et on devrait travailler à ce que les salaires de tous les travailleurs augmentent. Et on a vu ce qui se passe aux États-Unis, ça crée des inégalités énormes en baissant les salaires et les avantages sociaux pour les gens syndiqués et non syndiqués. Le type de politique proposé par le député d'en face causerait plus d'incertitudes ici et moins d'investisseurs seraient prêts à investir dans notre économie. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le porte-parole de la Première ministre a suggéré que ce week-end que l'hippodrome de Fort-Terrier n'avait pas d'avenir, mais a essayé de réécrire son passé. Depuis son histoire, c'était un festival. Et cette attitude va contre les gens qui se sont assurés que cet hippodrome fonctionne si bien. Pourquoi est-ce que ce gouvernement détruit l'industrie de course de chevaux à Fort-Terrier plutôt et quelle est l'intérêt des hippodromes à profit à Woodbine? Réponse à la Première ministre. Je me demande pourquoi la chef du troisième parti avance cette question politique qui n'est pas redevable et pas transparente. Il travaille et je vais lui demander quel serait son plan de mettre en place
un plan redevable et transparent. On a travaillé avec Elmer Duncan, John Snowball, John Wilkinson, pour qui ont avancé des recommandations. On investit 400 millions de dollars sur 5 ans pour avoir une industrie des courses de chevaux durable. Et ça peut inclure Fort Terrier. Et le Fort Terrier doit travailler avec la commission des courses de chevaux pour déterminer son avenir. Et j'espère que la chef du troisième parti et tous ses députés qui sont concernés quant à la question que donnent ces conseils aux gens de Fort Terrier, qu'ils travaillent avec la commission. C'est ce qu'on dit aux gens de Fort Terrier. Complémentaire. Monsieur le Président, on ne comprend pas de ce côté pourquoi le gouvernement libéral va jeter le bébé avec l'eau du bain et trouver des solutions pour le secteur privé et mettre les gens de l'Ontario rural au chômage. La première ministre parle qu'il y a un avenir pour Fort-Terrier. Puis elle se retourne, elle mine cet avenir avec une collectivité qui travaille, alors qu'elle déploie le tapis rouge pour les casinos, pour les municipalités qui n'en veulent pas, et forcer le secteur équin et à le transférer sur une société à but lucratif, Woodbine. Ils ont admis la privatisation, c'était une erreur. Pourquoi maintenant elle veut les secteurs équestres qui est privé et mettre en jeu les distances du secteur équestre de Fort-Terrier? Je comprends la politique de la troisième partie. Je comprends la politique de toutes les questions concernant Fort-Terrier. Mais ce que nous avons fait, c'est qu'on a pris des conseils des gens, des experts dans le secteur, à l'échelle de la province. On a parlé à des milliers de personnes du secteur équin. On a un plan en place. Et on sait très bien qu'il y a la politique. Nous voulons avoir d'excellentes politiques parce que c'est important que ça comprenne également Fort-Terrier de travailler avec la Commission des courses de chevaux de l'Ontario pour avoir un avenir durable. Notre plan fait met l'avenir du secteur équestre sur un secteur durable qui dépend des clients et non pas des machines à sous, avec une excellente stratégie en matière de jeu. Nous avons une excellente stratégie à l'échelle de la province. C'est pour ça que nous voulons que Fort-Terrier travaille avec la Commission des courses de chevaux de l'Ontario pour un meilleur avenir. Complémentaire. Député d'Ottawa-Sud, au ministre de l'Agriculture et des Aliments. Par le passé, ouvert au travail, il y a été un forum pour le secteur alimentaire et parler de la réglementation dans le secteur dans l'est de l'Ontario et à Ottawa. Et nous avons été affectés par la réglementation sur la manutention des viandes. Je comprends qu'il y a eu des discussions lors de ce forum et que vous avez eu une autre réunion la semaine dernière. Est-ce que la ministre peut faire les progrès réalisés lors des réunions ouvertes à l'entreprise? Je voudrais remercier le député d'Ottawa-Sud pour sa question. J'étais très heureux la semaine dernière lors du forum. J'ai entendu les gens du secteur et ils sont très positifs. Et concernant les modifications apportées au secteur d'inspection des viandes, et ceci va créer un régime plus flexible de conformité et avec des exigences en matière de conformité et de réglementation, tout en maintenant concurrentiel dans le secteur, au lieu d'avoir des règles arbitraires. Et c'est important que les gens comprennent. Ce n'est pas seulement une décision politique pour éliminer la réglementation. Et nous essayons de trouver des façons plus équitables pour le secteur et maintenir l'innocuité des aliments. Et ceci sera en vigueur le 1er janvier 2014. Donc, nous allons travailler pour améliorer la situation dans le secteur. Et ce sont les partenariats que nous allons appuyer. Complémentaire. Merci, M. le Président. C'est bien que des progrès ont été réalisés en travaillant avec le secteur agroalimentaire. Mais comme étant, me disent que l'accès aux produits locaux est une priorité. En fait, un grand nombre de députés en région urbaine travaillent dans le secteur agricole, dans la transformation des aliments, dans la vente. Et c'est important pour eux que le secteur prospère. Est-ce que la ministre peut nous dire
comment est-ce que ce forum peut aider le secteur agroalimentaire? Merci, Première ministre. Je voudrais simplement dire ceci. J'ai mis au défi le secteur agroalimentaire pour créer plus de 125 000 emplois d'ici 2020. La seule façon que cela va se produire, si le gouvernement travaille avec le secteur main dans la main. Et donc, ce que j'ai fait avec le secteur, avec les nouvelles réglementations en place, qui augmente le temps d'approbation et diminue les coûts. Il faut se pencher sur ces enjeux. Si le secteur doit prendre de l'expansion, il faut s'assurer qu'il faut être efficace tout en maintenant l'innocuité des aliments. Ce sont le genre de partenariat que nous allons créer. Nous avons fait des progrès positifs par le passé. Nous avons réuni tous les secteurs, les acteurs du milieu, les transformateurs et les producteurs, c'est-à-dire que tous les gens nous donnent leur apport et c'est la meilleure façon de prendre les bonnes décisions pour le secteur. Député de Kent, Middlesex, London, la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, au centre, à la prison de ma circonscription, il n'avait pas d'eau. Donc, il y a un jeune qui a été battu alors qu'il devait simplement être là pour 165 jours. Donc, c'est un mort. Donc, il y a un problème avec cette terre. Ces problèmes sont systémiques. Et nous voulons que vous preniez des mesures pour corriger la situation. Ministre, à cause de ce décès, qu'est-ce que vous allez faire pour assurer la sécurité des prisonniers et des agents correctionnels? Je vais exprimer mes condoléances et mes sympathies à la famille et aux amis de l'individu. L'accident s'est produit dans les douches. Il sera enquêté par la police et le coroner et mon ministère. La sécurité des prisonniers est une priorité du gouvernement. Voilà pourquoi nous avons déposé un plan en 12 points pour s'attaquer à ce problème. Je me suis engagé à travailler avec la gestion et le syndicat des centres de détention pour corriger la situation. Et je voudrais vous dire ceci. Voici ce que nous avons fait depuis. Nous avons installé plus de 300 caméras. Il y a un nouveau modèle de contrôle. Il y a des détecteurs de métal également. Et il y a également un système de rayons X pour les bagages. C'est ce que nous avons fait, ministre. Si vos solutions avaient fonctionné, la personne serait toujours en vie. Et les agents correctionnels et les agents ne sont pas en sécurité. Depuis que vous avez ce dossier, les situations s'est détériorée dans les prisons. Et les agents correctionnels et les prisonniers, le personnel de soutien, donc, c'est l'idée d'avoir de bonnes fautes pour vous. Nous voulons que vous fassiez preuve de leadership et la façon dont gérer les problèmes. C'est un problème systémique. Ceci, nous avons attiré votre attention à ce sujet. Avec la dernière enquête et avec la mort en 2009, le gouvernement n'a pas agi et nous avons dû exercer de la pression sur vous pour agir. Donc, vous n'agissez pas à moins que je vous le donne de mort. Quand est-ce que vous allez faire votre travail et ne pas attendre qu'on exerce de pression sur vous? Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, nous avons fait également, nous avons embauché 11 nouveaux agents correctionnels, 3 médecins, une infirmière dans le domaine mental et également des infirmières 24 heures par jour disponibles. Nous n'avons pas suivi votre exemple. Vous avez fait un chaos de ce système lorsque vous étiez au pouvoir. Et nous avons des programmes de réhabilitation, ce qui n'était pas le cas par le passé. Je sais que leurs cousins au niveau fédéral font la même chose. Nous voulons faire de la réhabilitation. Ce n'est pas ce que vous allez faire. Nous allons assumer une responsabilité avec responsabilité.
Nouvelle question du député de Windsor-West. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Adam Argue est le quatrième prisonnier à mourir en 4 ans au centre de Middlesex, un établissement qui a eu des lacunes, surcapacité. Est-ce que la ministre peut nous assurer qu'il y a suffisamment d'agents correctionnels au moment où ce décès tragique est survenu? Ministre, Monsieur le Président, comme je l'ai mentionné, la sécurité des prisonniers et des agents correctionnels est notre priorité. Et j'ai travaillé avec la gestion, l'administration, le syndicat pour corriger la situation. Le jour de l'incident, il y avait environ 400 personnels et plus de 200 détenus. Notre préoccupation, c'est la santé, la sécurité. Et je vais répéter ce que nous avons fait. Nous avons embauché du nouveau personnel, soins infirmiers pendant 24 heures, une infirmière en santé mentale qui n'était pas là auparavant. Nous avons 11 nouveaux agents correctionnels et nous allons travailler avec le syndicat et l'administration pour nous assurer que cet établissement est sécuritaire, complémentaire. Merci. Ça fait des mois depuis que nous avons soulevé cet enjeu et la situation ne s'est pas encore améliorée. Donc, le gouvernement, on a demandé au gouvernement d'avoir plus de personnel. Le gouvernement n'a rien fait. Il y a eu des recommandations proposées par un panel et les recommandations n'ont pas été suivies. Et on ne tient pas compte de la disposition de l'établissement et d'une meilleure surveillance des détenus. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour améliorer les normes et la situation dans ce centre de détention? Nous avons 250 caméras de sécurité, un nouveau module de surveillance. Nous avons 6 détecteurs de métal, des machines au rayon X et plus d'agents correctionnels. Nous allons continuer à améliorer la situation dans ce centre de détention. Mais, vous savez quoi? Dans notre centre de détention, malgré tous nos efforts, la violence est une réalité dans ce genre d'établissement. Avec ces améliorations, on espère que la situation va continuer à s'améliorer. Merci. Nous avons une mise aux voix différée concernant le projet de loi 205 pour l'impôt santé. Convoquer les députés, ce sera une sonnerie de 5 minutes.
Members, take their seats, please. Députés, veuillez vous asseoir. All members, take your seats, please. Députés, veuillez vous asseoir. Le 2 octobre 2013, Monsieur Neal a proposé une deuxième lecture du projet de loi 105. Tous ceux qui sont pour se lèveront et attendront d'être nommés avant de se rasseoir. Ms. Wynne. Ms. Matthews. Ms. Matthews. Madame Mayer. Madame Mayer. Ms. Sandals. Ms. Sandals. Mr. Hoskins. Mr. Hoskins. Ms. McCharles. Ms. McCharles. Mr. Quinter. Mr. Quinter. Mr. Bartolucci. Mr. Bartolucci. Mr. Cole. Mr. Cole. Mrs. Cansfield. Mrs. Cansfield. Mr. Dillon. Mr. Dillon. Mr. Duguid. Mr. Duguid. Mr. Gravel. Mr. Gravel. Mr. McMeekin. Mr. McMeekin. Mr. Chan. Mr. Chan. Ms. Peruzza. Ms. Peruzza. Mr. Murray. Mr. Murray. Mr. Shirelli. Mr. Shirelli. Mr. Leal. Mr. Leal. Mr. Delaney. Mr. Delaney. Mr. McNeely. Mr. McNeely. Mr. Moridi. Mr. Moridi. Mr. Orzetti. Mr. Orzetti. Mr. Coteau. Mr. Coteau. Mr. Sergio. Mr. Sergio. Mr. Nackvi. Mr. Nackvi. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Ms. Albanese. Ms. Albanese. Ms. Jasek. Ms. Jasek. Ms. Hunter. Ms. Hunter. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Ms. Wong. Ms. Wong. Ms. Dommerla. Ms. Dommerla. Mr. Kraft. Mr. Kraft. Ms. Mangat. Ms. Mangat. Mr. Wilson. Mr. Wilson. Mr. Arnott. Mr. Arnott. Mr. Hardiman. Mr. Hardiman. Mr. Fidelli. Mr. Fidelli. Mrs. Elliott. Mrs. Elliott. Mr. Yakubuski. Mr. Yakubuski. Ms. McLeod. Ms. McLeod. Mr. Miller, Perry Sound, Muskoka. Mr. Miller, Perry Sound, Muskoka. Mr. Cleese. Mr. Cleese. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mr. McNaughton. Mr. McNaughton. Mr. Dunlop. Mr. Dunlop. Mr. Holliday. Mr. Holliday. Ms. Jones. Ms. Jones. Mrs. Monroe. Mrs. Monroe. Mr. Chudley. Mr. Chudley. Mr. O'Toole. Mr. O'Toole. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Jackson. Mr. Jackson. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Harris. Mr. Harris. Ms. Thompson. Ms. Thompson. Mr. Sherman. Mr. Sherman. Mr. Urich. Mr. Urich. Ms. Scott. Ms. Scott. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. McDonnell. Mr. McDonnell. Mr. Milligan. Mr. Milligan. Mr. McLaren. Mr. McLaren. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mr. Prue. Mr. Prue. Ms. Horvath. Ms. Horvath. Mr. Marchese. Mr. Marchese. Madame Gelina. Madame Gelina. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Mr. Nadeshak. Mr. Nadeshak. Mr. Tabbins. Mr. Tabbins. Mr. Singh. Mr. Singh. Ms. Fife. Ms. Fife. Ms. Forster. Ms. Forster. Mr. Vantoff. Mr. Vantoff. Mr. Shine. Mr. Shine. Ms. Armstrong. Ms. Armstrong. Mr. Mantha. Mr. Mantha. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Ms. Sattler. Ms. Sattler. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Please rise one at a time and be recognized by the clerk. Tous ceux qui sont contre, levez-vous et attendez d'être nommés avant de vous rasseoir. My speech convention, John. Les oui sont 86, les non, 0. Étant donné que les oui sont 86, je déclare la motion adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Est-ce que le projet de loi sera envoyé en troisième lecture? Je demande que le projet de loi soit envoyé au comité permanent des affaires gouvernementales. Rappel au règlement, député de Durham, je voudrais vous présenter deux invités, David Smith et Bob Simpson. Bienvenue à Queen's Park. Député de Kitchener-Waterloo, rappel au règlement. Monsieur, je voudrais souhaiter la bienvenue, Kim Bays, à la Chambre aujourd'hui. Étant donné qu'il n'y a aucune autre mise aux voix, la Chambre ajourne ses travaux jusqu'à 13 heures.